Alléluia. 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 Et tiens-toi debout. Please stand. Nous allons premièrement nous confier à Dieu pour l'année 2021. We are first of all going to hand over ourselves to the Lord for the year 2021. Et nous allons proclamer les bénédictions. And we are going to proclaim blessings. Et nous allons recevoir les bénédictions. And we are going to receive blessings. Et nous allons recevoir les guérisons. We are going to receive healings. Je sais que beaucoup de démons ont déjà fui. I know that many demons have already fled. Mais les derniers, but the last ones, qui pensaient qu'on a oublié, who thought that we have forgotten, doivent aussi partir. Must also go. Mais ça, c'est petit. That's small. Ce que nous sommes venus faire, what we came to do, c'est de nous réjouir. Is to rejoice. C'est de célébrer Dieu. Is to celebrate the Lord. Et on doit d'abord payer cette dette-là avant d'entrer dans les bénédictions. We must first of all pay that debt before we get into blessings. La première fois, moi, je n'ai même pas dansé. First time, I did not even dance. C'est maintenant que moi, je veux entrer dedans. It is now that I want to get into it. Acclamation à Jésus-Christ. Round of applause to Jesus Christ. Venez, venez. Oui, Danny Meunier, Danny qui voulait danser avec moi là. Qu'elle vienne. Daniel Meunier. C'est le moment maintenant de me chercher. This is the time to look for me. Et réjouissez-vous, dansez, ne vous embrassez pas. Is rejoice and dance, but do not hug. Nous marchons par la foi, mais nous sommes intelligents. We walk by faith, but we are also intelligent. Tu feras la guerre avec prudence. You'll carry out war with caution. Danse pour Dieu. Dance for God. J'ai perdu un ami. I lost a friend. Hier matin. Yesterday morning. Mardi matin. Tuesday morning. Ce n'est pas pour t'effrayer. It's not to frighten you. Même si tu tombes malade là, on va te guérir. Even if you fall sick here, we're going to heal you. Mais Dieu aime les sages. But God loves those who are wise. C'est pour ça qu'il a dit aux enfants d'Israël que quand vous revenez de la ville, lavez vos mains. That's why when he said to the children of Israel, when you come back from the city, wash your hands. Vous lavez les coudes. Wash your elbows. Il leur a dit, si vous déféquez, creusez d'abord un trou. Ne déféquez pas partout comme des animaux. He said, if you defecate, dig a hole and put it inside. Do not defecate all over like animals.
Donc, en observant ces mesures, so by observing those measures, ce n'est pas un manque de foi, ça fait partie de la sainteté. It's not lack of faith, it's just part of holiness. Dieu avait même interdit que si vous trouvez un cadavre, ne le touchez pas. Si vous touchez le cadavre, vous êtes impur. Jusqu'au soir. God has forbidden that when you see a corpse, you touch it. So if you touch a corpse, you will be unclean till evening. Vous voyez que les enfants de Dieu peuvent enseigner la science. You see that the children of God can teach science. Okay. Les nouveaux là, réjouissez-vous. Our new brethren, rejoice. Par la foi, vous êtes déjà délivrés. By faith, you have already been delivered. Vous aurez des témoignages. You have testimonies upon testimonies. Nous allons célébrer l'Éternel. Alléluia! Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Tout entoure de ses soins.
We'll be right back.
Lève tes mains. Raise your hands. Dis Seigneur éternel. Say Lord God. Tu veux que je t'appartienne. You want me to belong to you. À 100%. 100%. Tu ne veux pas que je fasse des choses pour toi. Tu veux que je t'appartienne. You don't want me to do things for you. You want me to belong to you. Dis Seigneur éternel. Say eternal God. Mon engagement cette année. My commitment this year. C'est de t'appartenir d'abord. It is to belong to you first of all. Avant de faire des choses pour toi. Before doing things for you. Prends-moi, Seigneur Jésus. Take me, Lord Jesus. Accepte-moi comme offrande. Accept me as an offering. Comme offrande vivante. As a living offering. Les semaines vont nous accompagner dans ce chant qui dit prends-moi. Et tu le chantes dans un esprit de soumission, d'obéissance, de consécration. The soldiers who accompany us in this song that says, take me, you sing it with a spirit of consecration and submission. Après ça, after that, nous allons lui dire, voici ce que nous voulons faire pour toi. We are going to tell him, this is what we want to do for you. Et il va bénir. And he will bless it. Vous restez dans un esprit de dans, nous allons rentrer dans quelques minutes. Donc, si tu t'assois, vraiment, le diable va profiter. Remain in the spirit of prayer. If we are going to go in a short while, so if you sit. Vous savez, il y a des prières qui demandent qu'on se tienne debout. You know, there are prayers that demand that we should stand. Il y a des prières qui demandent même qu'on se mette à genoux. There are prayers that demand that we should go on our knees. Il y a des prières qui demandent même qu'on se couche par terre. There are prayers that demand that we lay on the floor, flat. Mais rassure-toi que tu as pris une position qui traduit ta soif de toucher Dieu. But ensure that you have taken a position that translates your thirst to touch God. Le corps adore Dieu. The body worships God. L'âme adore Dieu. The soul worships God. L'esprit adore Dieu. The spirit worships God. Si tu viens avec le souillure sur ton corps, ton adoration sera rejetée. If you come with filth on your body, your worship will be rejected. C'est pour cette raison qu'il est dit, achevons notre sanctification, achevons notre purification de la chair et de l'esprit. That's why it is said, let us complete our purification of the flesh and of the spirit. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Entre tes mains, entre tes mains, j'abandonne.